Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cet épisode 21 de Au coin du DVD. Dans cet épisode 21, donc, on va commencer la lettre J. Une lettre où il y a très peu de films. Je vous avoue que c'est un petit peu restreint. Il y a des petites perles de comédie que j'affectionne particulièrement, comme Jay et Silent Bob contre-attaque, qui a une suite qui n'est toujours pas sortie en France et ça commence à me gonfler. J'espère qu'il y a au moins une plateforme de VOD qui va le récupérer parce que ce long métrage est nécessaire, je pense, au cinéma français. Il y a les John Wick, il y a Jusqu'en Enfer, qui est une petite perle de Sam Raimi qu'il a fait dans une période où on l'avait un petit peu trop catalogué comme étant le réalisateur des Spider-Man et pas grand-chose, ce qui était un peu triste, mais au moins ça lui a permis de revenir à ses premiers amours. Et il y a des petites perles. Et j'ai décidé de vous en sortir une aujourd'hui qui, pour moi, est une vraie prise de risque. Parce qu'elle mettait en tête un affiche, un acteur qui est aware. Un acteur qu'on a souvent catalogué comme étant un actionneur. Et surtout un acteur qu'on a souvent mis dans une petite case comme étant, je dirais pas un crétin, mais comme étant le meilleur ami d'Ophélie Winter. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un immense acteur. Bien au-delà de Bloodsport, bien au-delà de Chasse à l'homme, bien au-delà d'un paquet de films, y compris Double Team, Jean-Claude Van Damme est un immense acteur et Mabrouk El Mekri l'a compris en réalisant JCVD en 2008. JCVD a un pitch très loufoque. Jean-Claude Van Damme débarque dans son petit village natal, le Belge, et va tout simplement se retrouver au milieu d'un sacré quiproquo. Et potentiellement être, comment dire, le responsable d'un braquage de bureau de poste. Est-ce que vous imaginez un pitch plus loufoque? C'est compliqué. Mais Mabrouk El Mekri, au travers de son deuxième long métrage, a réussi à nous offrir un petit moment de cinéma très intéressant. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu JCVD, j'avais cette image de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire pour moi, Jean-Claude Van Damme, c'était le mec qui passait son temps à dire « Werp », qui passait son temps à raconter pas mal de bêtises, et qui nous racontait que 1 plus 1 égale 2, mais que si 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 11, et là c'est beau, c'était plus intéressant, ou même encore qu'il adorait l'eau et que dans 20 ans, il n'y en aurait plus. Peut-être raison par contre là-dessus. Mais bref, donc à l'époque j'avais cette image de Jean-Claude Van Damme et donc j'ai été très intrigué par le projet de Mabrouk El Mekri. Je l'ai vu un petit peu de temps après sa sortie en salle parce que à l'époque j'allais au cinéma de manière très éparse et je n'allais pas forcément voir tous les films et celui-là m'intriguait mais pas au point que j'aille le voir en salle. Et je l'ai récupéré donc du coup en DVD et j'ai découvert vraiment un regard très poétique sur Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment un film qui arrive en même temps à nous raconter une petite histoire très simple et en même temps c'est un film qui cherche vraiment à explorer tout ce qu'on a pu penser et analyser de Jean-Claude Van Damme. Et c'est surtout un film qui pour moi est très important parce qu'il y a un avant et un après JCVD. C'est-à-dire qu'après JCVD, j'ai commencé à me dire « Attends, du coup Chuck Norris, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, tous les gens comme ça, ils sont peut-être pas si inutiles que ça au cinéma. Parce que tout le monde les catalogue comme des actionneurs ou des acteurs un petit peu trop bourrins, mais peut-être que derrière, il y a des choses intéressantes. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces acteurs. J'ai notamment commencé une grande entreprise de revisionnage de toute la filmographie de Steven Seagal, chose très compliquée et je n'en suis toujours pas arrivé à la fin. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma de Chuck Norris et j'ai découvert des trucs un petit peu pétés, mais les Delta Force par exemple, c'est des bonnes barres. J'ai commencé à regarder un petit peu la filmo de Dolph Lundgren. Bon, Dolph Lundgren, c'est quand même compliqué parce qu'à part The Punisher et Universal Studios, c'est quand même bourré de navets. Et du coup, ça m'a permis surtout de découvrir Jean-Claude Van Damme et de me rendre compte que ce mec-là était passionnant. Disons que, en soi, le film, vous allez peut-être le trouver un peu bof. Vous allez peut-être vous dire c'est sympa, mais vous allez peut-être pas ressortir avec un grand sentiment, avec quelque chose, avec la sensation d'avoir vu une grande œuvre. Mais moi, je garde ce film vraiment précieusement parce que pour moi, au travers de ce film, j'ai découvert un vrai acteur, un acteur très investi. Et ce qui fait que lorsque j'ai découvert, par exemple, les chroniques de Karim Debbache ou des gens comme ça, j'ai commencé à comprendre que j'avais réussi tout seul à me construire une certaine culture. Parce que, faut vous dire que lorsque Karim Debbache a commencé à évoquer Jean-Claude Van Damme, Tsui-Hark, John Woo, j'avais déjà réussi à m'intéresser à cet univers-là. Et donc j'avais la sensation d'avoir découvert quelque chose un petit peu avant tout le monde. Et c'est un plaisir fou lorsqu'on arrive à ce stade-là. Mais disons que vraiment, au travers de JCVD, j'ai découvert un acteur.
un acteur qui, en plus, au travers des bonus, nous permet réellement de le comprendre. Parce qu'il faut vous dire que sur ce film, tout est voué à l'image de Jean-Claude Van Damme. C'est impressionnant, mais tous les bonus, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, quasiment tous les bonus sont littéralement des saluts complets à Jean-Claude Van Damme et à sa carrière. Ce film était littéralement là au bon moment pour nous rappeler que parfois, on se fait une image d'un acteur et que l'acteur derrière en souffre. Et le film, même s'il reste une œuvre de fiction, c'est important de le rappeler, reste un film qui traite avec énormément de respect un homme qui a souvent été moqué. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous pousser à regarder JCVD de Mabrouk El Mekri. Parce que je pense et je reste convaincu qu'il y a beaucoup de gens derrière votre ordinateur, oui, je vous regarde, qui pensent encore que Jean-Claude Van Damme est un acteur qui a fait que des actionneurs débiles et qui, durant les années 2000, n'a rien fait d'important. C'est pas faux. Il a fait des choses vraiment mauvaises. Mais il faut aussi vous dire que Jean-Claude Van Damme a fait JCVD et au-delà de ça, Jean-Claude Van Damme a permis dans les années 90 quelque chose de fou. Et ça, on l'abordera peut-être un jour, parce que ça, c'est un sujet très vaste et très intéressant. Mais pour le coup, je vous invite vraiment à revoir ou à découvrir JCVD de Mabrouk El Mekri, qui est un petit coup de cœur, une belle découverte, et j'en garde un très bon souvenir lorsque je l'ai vu. Donc je vous invite vraiment à revoir ce film. C'est une belle œuvre de cinéma et c'est une œuvre qui est surtout amoureuse d'un acteur et qui cherche à lui racheter une image auprès de ceux qui l'ont jugé trop rapidement. Et ça n'a pas de prix. Voilà! C'était la première vidéo sur la lettre J. La semaine prochaine, on continuera bien évidemment là-dedans. Je crois déjà avoir trouvé le film dont je vais vous parler. On va rester dans le francophone. Mais d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis d'habitude à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.